Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous mets à l'écran l'ancienne version de cette création. D'ailleurs, si elle vous intéresse, cette ancienne version, je vais vous mettre une petite fiche en haut à droite si vous voulez voir le tutoriel pour le reproduire. Voilà, donc ça c'est la première version, c'est celle sur laquelle je me suis basé pour créer ma nouvelle création. Il y avait quand même quelques points que je voulais corriger, notamment dans cette version. Alors il y avait 2-3 petites choses, notamment l'arrondi du bas là, que j'aimais pas trop. J'aimais pas trop non plus ce système là. Alors à la base j'avais prévu que ce soit un système de vue holographique, mais clairement ça apporte rien du tout à la création. Et c'était vraiment dommage de laisser ça comme ça, donc ça c'est un point que je voulais vraiment modifier. Autre point, c'était les jambes. Voilà, elles sont très très droites, c'est des plates, donc c'est pas super cool pour l'ensemble. Il y avait également quelques incohérences de couleurs, il y a des petites touches de noir qui n'étaient pas forcément nécessaires. On en retrouve notamment avec le siège à l'arrière, voilà, des choses comme ça. J'étais pas fan non plus de ces parties-là, là et là, et de l'antenne qui est vraiment toute pourrie. Et puis globalement, quand on le voit de côté, voilà, ça donnait pas un côté très 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 agressif. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai voulu énormément retoucher. Donc voilà, j'espère que la nouvelle version vous a plu. Bah d'ailleurs je vais la mettre juste à côté, comme ça vous allez pouvoir vous faire votre avis. Hop. Hop. Voilà, donc carrément plus de pièces. Un look beaucoup plus racé, beaucoup plus stylisé. Voilà, je vais les mettre de face aussi, que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, on a un côté vraiment très agressif à l'avant. J'ai revu cette partie-là. J'ai gardé le système de manette que j'adore. J'ai juste corrigé, enlevé les petites pointes de noir. J'ai un petit peu amélioré le canon. Ouais, c'est plus joli comme ça. J'ai surtout travaillé sur l'arrière. Hein. C'est ça énormément que j'ai changé. Donc notamment l'antenne, le siège, qui sont complètement différents de ce qu'on avait avant. Hein. Je vous le remets. Voilà, donc c'est un peu plus de gueule que ce qu'on avait avant. Et puis bien sûr les pattes, alors là c'est des pièces arrondies hein, pour le coup, donc, totalement arrondies, donc, ça change un peu. Et j'ai retravaillé l'arrière, donc cette partie là voilà. Et donc du coup quand on les a face à face, clairement c'est la même base hein, le châssis on va dire du véhicule c'est le même, mais ça n'a pas la même gueule à la fin, ça rend vraiment différemment. C'est beaucoup plus agréable à regarder, ça fait beaucoup plus militaire. Après, il y a des trucs sur lesquels j'ai hésité à toucher, en fait, notamment les pattes, qui auraient pu être un peu plus... Enfin, les pieds surtout, qui auraient pu être un peu plus classe. J'ai fait le choix de ne pas y toucher. Pourquoi? Parce que je veux quand même que ça reste jouable. L'idée, en fait, c'est de faire une création qui soit utilisable potentiellement par des enfants qui voudraient jouer avec, sans que ça soit pété tous les 5 secondes. Donc, il y a beaucoup de moqueurs qui font... des créations de ce type là mais qui sont absolument injouables, c'est à dire que dès que vous bougez quelque chose ça part en morceaux, donc c'est très joli pour placer dans un mock minutieusement sans y toucher. Moi j'avais envie quand même de quelque chose d'assez solide, j'aime bien quand c'est solide, et du coup voilà, je pense que le pari il est réussi parce que c'est très 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 solide, mais à la fois c'est fonctionnel parce que c'est à dire que tout est articulé hein, que ce soit l'antenne qui est ici, le siège, hop, l'appui-tête, les jambes, un peu partout, le canon, les manettes, bon, je vais pas les enlever, mais voilà, mais vous avez compris. Donc il y a énormément de choses qui sont articulées sur cette création, et donc ça c'était déjà un peu la promesse de base, et en même temps je trouve que ça a vraiment de la gueule. Donc j'ai également enlevé les deux cheese. Les cheese, ça s'appelle. J'ai remplacé par une seule unique, mais d'une autre couleur, en gris gris foncé, dark grey. Voilà, j'espère que ça rend un peu mieux. J'aimais pas la coupure qu'il y avait au milieu. Voilà, je trouve que comme ça, c'est mieux. J'en avais pas en olive green, mais du coup, en gris, je trouve que du coup, ça rend un côté un peu plus agressif, qui est plutôt pas mal. L'intérêt de cet ATRT, c'est qu'il est assez facilement changeable. C'est-à-dire que en enlevant les 4 cheese, donc il y en a une là, une ici et une là, plus la pièce qui est ici, hein, donc, il y a la même de l'autre côté. En changeant les couleurs de ces pièces-là, eh ben, on peut tout à fait avoir un nouvel ATRT d'une autre légion. Donc on peut faire la 212e, la 101e, enfin sans souci la 41e. Il suffit juste de changer la couleur
et vous faites la légion que vous voulez, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je pense que ça c'est plutôt intéressant. Pour comparer, hein, j'aime bien mettre à côté, c'est le véhicule qu'avait fait Lego. Alors j'ai plus les antennes parce que je les ai virées, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée du truc, quoi. Donc je pense qu'on est sur un pari plutôt réussi de mon côté. Voilà, mais après c'est pas facile de faire. C'est pas difficile, pardon, de faire mieux que la TRT de 2015 de Lego qui était vraiment moche. Il est pas. Franchement, je trouve qu'il est mieux fini que la TRT qui est fournie avec le Juggernaut qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Donc je trouve qu'il est plutôt bien fait au regard de ce véhicule-là. Je vais remettre l'antenne un peu plus droite. Hop, voilà. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette création. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours sur ça. Également de savoir si vous avez envie d'un petit tutoriel pour pouvoir le réaliser chez vous. Voilà, c'est un set, un mock que j'aime beaucoup. C'est un des premiers mocks que j'avais commencé à faire quand je me suis remis dans les Lego. J'avais pas touché à cette création, en tout cas à cette version-là, depuis 2-3 ans. Voilà, et là je m'y suis remis. Je trouve que la nouvelle version, franchement, elle déchire. Elle est vraiment classe, elle est stable, elle est jouable, elle a de la gueule. Voilà, donc dites-le moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez un tuto. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.